الدين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, comme nous avons annoncé la semaine passée, et depuis nous avons passé une semaine en plus. Et Inch'Allah ta'ala, il nous reste plus qu'une dizaine de jours, à peu près environ une semaine pour le mois béni de Sha'ban. Et voilà, il est de mon devoir, de notre devoir ensemble, de parler toujours et toujours et sans cesse de ce mois béni de Sha'ban. Il n'est jamais trop tard de se faire des rappels. Mais voyez-vous, quand il s'agit du rappel, le rappel n'est pas opportun pour tout le monde. Il y a des conditions. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du rappel, à mon avis, il me semble qu'il doit y avoir au moins deux conditions, sine qua non, pour que ce rappel soit un rappel bénéfique. Nous avons des versets du Saint-Coran qui nous rappellent sans cesse l'importance du rappel. Mais cette importance n'est pas destinée à tout le monde. Nous ne nous rendons pas compte ou combien le rappel est important pour chacun d'entre nous. Et il y a des gens parmi nous qui ne font même pas l'effort de prendre en considération le rappel. Et cela, qu'ils se posent des questions. Allah subhanahu wa ta'ala va en parler. Si nous jugeons le rappel en tant que condition sine qua non pour qu'il soit efficace, un verset que chacun d'entre nous connaît par cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans le chapitre 51 du Saint-Coran, sur le Dariyat, verset 55, il nous dit, il dit un ordre, c'est un ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il lui dit, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ô mon prophète, rappelle. C'est un ordre à notre prophète. Wadakir. Rappel. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Voyez-vous le fa dans la langue arabe? Ça veut dire et. C'est une conjonction, pas de coordination, mais de condition. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Car, certes et en vérité, le rappel est profitable aux croyants. Et donc là, si nous analysons ce verset, il nous semble qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le rappel est profitable, mais pas à tout le monde. À qui? Aux croyants. Et donc si le rappel ne m'est pas profitable, je dois me poser des questions. Je dois mettre sur la table des points d'interrogation. Est-ce que je suis concerné par ce verset? Suis-je celui qui peut profiter du rappel? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit le rappel est profitable aux croyants. Mais des fois, il m'arrive de zapper, d'oublier, de ne pas prendre en considération le rappel. Il y a encore pire. Quand je ne fais pas attention au rappel, il y a encore pire. Écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans le chapitre 87, sourate Al-A'la, le Très-Haut. Verset 9, voilà ce qu'il dit. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa dhakkir inna fa'ati dhikra. Oh mon prophète, encore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dhakkir inna fa'ati dhikra. Oh mon prophète, rappel ou le rappel doit être utile. Qui est-ce qui va se rappeler? Qui est-ce qui va prendre profit de ce rappel? C'est un dhakkaru man yakhsha. S'en rappellera, sauf ou peut-être celui qui est quoi? Craint. Yaksha, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, si je ne prends pas en considération les rappels, peut-être dois-je me poser des questions sur ma foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, tanfa'ul mu'minin, il faut être croyant pour que le rappel me soit profitable. Dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est yadhakkaru man yakhsha, celui qui craint. Eh, ça va venir là. Ça va venir. Selon la Muhammad ou Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Et donc le rappel est profitable aux croyants. Première condition, la foi, l'iman. Deuxième condition, c'est yadhakkaru man yakhsha, s'en rappellera celui qui craint. Donc, at-taqwa. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir sans cesse devant soi Allah subhanahu wa ta'ala. Et si j'ai ça, le rappel ne pourrait être profitable. Mais il y a encore pire, comme nous avons dit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même chapitre, chapitre 87, nous avons cité le 9 et le 10. Voilà ce qu'il nous dit dans le verset 11. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Mais celui qui est malheureux, il va s'en écarter. Bon, peut-être je suis heureux dans ma vie, hein. J'ai Porsche, j'ai Jaguar, j'ai pas une femme, j'ai trois femmes, j'ai beaucoup d'enfants, un bon salaire, je suis bien placé, j'ai pas de problème de santé, tout est bien. Et je me dis, je suis heureux. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatajannabuha al-ashqa. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme quelqu'un de malheureux. Celui qui s'écarte du quoi? Du rappel. Et encore pire, le rappel, on ne prend peut-être pas en considération le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 20, sourate Taha, verset 124, il nous dit, بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui se détourne de notre rappel aura une vie remplie de gêne. Voyez-vous, là aussi c'est pareil, je dois avoir un Jaguar, un Porsche, beaucoup d'enfants, très heureux dans ma vie ici bas monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui se détourne, qui s'écarte de mon dhikr, il aura une vie remplie de gêne. Et nous allons le ressusciter le jour du jugement en étant quoi? Le téléphone, finissez le téléphone. Selon la Muhammad ou Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Et quand il sera dans cette position-là, il dira, chapitre 20, verset 125, « قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. » Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, or que j'étais voyant? Réponse, 20, 126. « قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Nos signes, nos versets t'ont été parvenus. Tu les as oubliés. De la même manière, aujourd'hui, tu fais parmi les gens qui sont oubliés. Chef. Justice. Le rappel. Voyez-vous, une bonne partie du mois béni de Sha'ban est partie. La dernière fois, nous avons cité, mashallah, notre Sha'ban, que Allah subhanahu wa ta'ala le garde, inshallah. Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Combien de vertus avons-nous cité à propos du mois béni de Sha'ban? Il nous reste quelques journées du mois béni de Sha'ban. Essayons d'en profiter. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous décrit les valeurs et les vertus du mois béni de Sha'ban. Il dit: Ali Muhammadin fi sa'iri nas ka shahri Sha'ban fi sa'iri shuhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète
explique, il nous met une comparaison et il nous dit les gens de la maison par rapport aux autres gens, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertus qu'ils ont, eux, les gens de la maison, Ahlul Bayt alayhi salam, par rapport aux autres gens, c'est la même chose à propos du mois béni de Sha'ban par rapport aux autres mois de l'année. Sha'ban, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne m'oubliez pas, il s'agit d'un rappel. Il nous dit par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans le chapitre 2, verset 152. Et à chaque fois que je cite ce verset, je le dis sur les 6236 versets du Saint-Coran, si j'en connais aucune, à part peut-être Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, celle-ci doit être par cœur. Partie intégrante de chacun, partie intégrante de la vie de chacun d'entre nous. Chapitre 2, verset 152. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اذكروني اذكركم اشكروني ولا تكفروني. Pensez à moi. Pensez à moi. Évoquez-moi. Invoquez-moi. اذكركم. Je vais vous rappeler. Je vais vous donner. اشكروني. Remerciez-moi. ولا تكفروني. Ne soyez pas ingrats vers moi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du rappel, est tellement important que celui qui s'en écarte est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un qui est malheureux. Va s'en écarter celui qui est malheureux. Moi, des fois, je ne prends pas en considération tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me rappelle. Et là, je vais vous citer juste une narration qui à la base devait être au début du mois béni de Sha'ban. Mais vous savez, le temps ne nous permet pas de tout parler. Nous avons vécu un vendredi, il fallait parler du 15 Sha'ban. Nous avons vécu un vendredi, il fallait parler de Al-Hussein alayhi salam. Nous avons vécu un vendredi, bien juste avant Sha'ban, profiter du mois béni de Rajab. Et donc je ne peux pas être partout. Mais je rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelle là où le rappel est utile. Et il est temps, peut-être ce rappel est un petit peu décalé, un petit peu déplacé. Mais allons analyser ce rappel. Ce rappel nous vient de la part de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous dit, idha kana shahru sha'ban بث إبليس في جنوب أقطار الأرض وآفاقها. جنوب ده. Quand arrive le mois béni de Sha'ban, c'est le prophète qui nous le dit. إبليس, le diable, le démon, شيطان. بث جنوده في أقطار الأرض وآفاقها. Au début du mois béni de Sha'ban, إبليس envoie toute sa troupe, toute son armée. Et il le dit, il répond toute sa troupe où? Dans tous les coins et recoins de ce bas monde sur cette terre, dans tous les horizons. Iblis, du premier jour de Sha'ban, il dit à ses troupes, faites des efforts maximum. Faites des efforts afin d'attirer vers vous. Même Shaitan, il est bon. Et des fois, moi, je deviens pire que le Shaitan. Même Shaitan, il sait que je ne suis pas capable d'attirer tout le monde. Lui aussi, il prend des précautions. Il ne généralise pas. Il utilise le mot ba'd ibadillah. Et moi, c'est très facile de généraliser tout le monde. Une telle communauté, on met tout le monde dans le même sac. On voit une personne qui est déroutée, on voit tout le monde dans le même sac. Nous avons tendance à tout généraliser, à accuser tout le monde ensemble à cause d'une personne, à cause de deux personnes, à cause de 10 personnes.
Le shaitan lui fait attention, il est mieux que moi des fois. Il dit à ses partisans, il est confiant. Faites un effort et attirez vers vous une partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le début du mois béni de Shawwal. Et au même moment, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa yabuthu Allah ta'ala malaikatahu fi aqtari al-ard wa afaqi wa yaqulu lahum. Au même moment, au début du mois béni de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges dans tous les coins et recoins de cette terre et dans tous les horizons et il leur dit: Saddidou ibadi warshidou. Prenez en considération, mettez-les en sécurité. Allah dit: mettez en sécurité mes serviteurs et guidez-les sur le droit chemin. Quand? Au début du mois béni de Shaban. Ce mois béni de Shaban va se terminer d'ici peu. Je dois me poser des questions jusqu'à là. Étais-je attiré par l'appel du diable et de Satan qui a dit à ses troupes de m'attirer vers lui? Ou par les anges? Ou suis-je attiré par les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui me dit d'être guidé? Et après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa kulluhum yas'ud. Quand l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, une bonne partie, une bonne majorité, tout le monde serait content du mois béni de Shaban. Vous vous souvenez, nous avons cité ensemble, quand nous avons parlé de Munajat et Shabaniya, nous vous avons cité son excellence, son éminence, Ayatollah Tabrizi qui disait, avant que le mois béni de Shaban arrive, il y a bien des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attendent. Quand est-ce que le mois béni de Shaban arrive et que nous rentrons dedans? Le prophète dit la même chose. Illa man aba wa taha fayasiru fi junud iblis. Fayasiru fi hizb iblis wa junud. Quand le mois béni de Shaban arrive, tout le monde est fervent pour le mois béni de Shaban. Sauf. Celui qui ne veut rien entendre, celui qui dépasse les limites, et le prophète déclare, cela fait partie des partisans de Iblis et de ses soldats. Il reste quelques journées du mois béni de Shaban. Il y a beaucoup d'actions, nous les avons citées durant tous les vendredis du mois béni de Shaban, parmi lesquels, vous n'allez pas oublier, Inch'Allah, Ashibay, Astaghfirullah, Wasalam, Tawbah. Il y a beaucoup d'actions. Et tout cela a été fait pourquoi? On se souvient, Inch'Allah, au mois de Rajab, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il demandait à Dieu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna shahr Ramadan. Ô mon Seigneur, fais en sorte que le mois béni de Rajab soit béni pour nous, Sha'ban béni pour nous, pour que nous puissions atteindre le mois béni de Ramadan. Inch'Allah. Et quand il s'agissait du mois béni de Sha'ban, je répète tout ça pour le rappel. Mais nous savons, pour que le rappel soit efficace, il y a besoin d'une foi, de la foi. Pour que le rappel soit efficace, il y a besoin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, si le rappel ne m'est pas efficace, je fais partie des gens qui sont d'abord malheureux. Oh, combien le mois béni de Shaban est important. Combien? Qu'est-ce que faisait le prophète? À vous de le faire et je finis. Là, ce que je vais dire, à vous de le compléter. Que faisait le prophète au début du mois béni de Shaban? Soyez pur. Un petit rappel, Yallah, je vais faire salawat pour que les mémoires reviennent. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ahsad,
de Chaban, vous voyez. Il n'y a que Chaban qui s'en souvient parce qu'il s'appelle Chaban. Au début du mois béni de Chaban, voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait et faisait. « Idha kana shahrur Chaban amara » Qu'est-ce qu'il faisait ? « Munadi an yunadi fil madina » Un héros. Ya ahla Yathrab, inni rasoulu rasoulillah. Quand venait le mois béni de Chaban, le prophète envoyait un crieur, celui qui donnait l'arrêt, un héros si vous voulez, qui donnait l'alerte à tous les gens de Médine et leur disait, le mois béni de Chaban est arrivé, inni rasoulu rasoulillah, je suis le messager du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et m'a dit de vous transmettre, inna Chaban shahri fara'imallahu man a'anani ala shahri. Le mois béni de Chaban est mon mois. Qu'Allah bénisse, que Allah fasse miséricorde à celui qui m'aide pour ce mois-là. Chers frères, il reste quelques journées, c'est juste un rappel. On peut encore en profiter et bien se préparer pour le mois béni de lui. Salam alaykum, Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bien sûr, nous allons y arriver, mais c'est bon, vous me tendez la perche. Et peut-être, nous aurons encore un mois béni, un vendredi du mois béni de Chaban. C'est pour ça que je n'ai pas abordé ça pour le vendredi prochain. Mais comme Hachib me tend la perche, nous savons très bien qu'il nous reste 10 jours et on nous a appris qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous en parle aujourd'hui, par respect à Hachib, on va en discuter, Inch'Allah, vendredi prochain. On nous apprend, on nous dit, dernier vendredi du mois béni de Chaban, et d'ailleurs, le dernier vendredi du mois béni de Chaban, notre 8e imam, l'imam al-Ridha alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous ramène la narration et le sermon du prophète à propos du mois béni de Ramadan, le dernier vendredi du mois béni de Chaban. Et ils nous ont dit aussi, oh mon Seigneur, si tu ne nous as pas encore pardonné durant le mois béni de Chaban, dans tout ce qui est déjà passé, pardonne-nous dans la partie qui reste. Le mois béni de Chaban est très important, car nous allons rentrer dans un mois encore plus grandiose et plus rempli de vertus, qui n'est autre que le mois béni de Ramadan. Hada wa alhamdulillah rabbil alamin, rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiul alim, bismillahir rahmanir rahim wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr.